Hello à tous, hello hello, bonsoir, merci d'être présent pour le talk de Gilles ce soir. On va faire assez vite pour ce soir, on ne va pas perdre trop de temps et on va présenter un petit peu le Web Mardi. Donc tout d'abord, avant de commencer le talk de Gilles, on va vous faire une petite intro de qui est quoi et Web Mardi. On va ensuite avoir le talk de Gilles évidemment, puis une session de questions. N'hésitez pas donc à poser n'importe quelle de vos questions dans le chat, on va les récupérer pendant le talk et les poser pour vous. Directement à Gilles, et ensuite on va parler de la suite du Web Mardi, c'est-à-dire les prochains événements qui auront lieu pour la fin de cette année. Allez, c'est parti, l'équipe Web Mardi, donc on est quatre personnes au Web Mardi, Camille Nelson, moi-même et Geoffroy. Voilà, on fait ça bénévolement pour vous, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous plaît énormément. Nos sponsors, un petit mot sur nos sponsors sans qui on pourrait pas être là. Lip et Antistatic, deux agences lausannoises qui nous permettent de vivre et de vous proposer ces talks une fois par mois dans toute la Suisse romande et depuis une année online. Nos partenaires également, JetBrains et Smashing Magazine. L'un nous propose des cadeaux que nous offrons à nos participants chaque mois également, ce que l'on ne fait plus trop ces derniers mois étant donné le online. Et puis le Smashing Magazine qui nous proposait la visibilité et pas mal de stickers quand on fait ça en physique, évidemment. Je n'ai pas pu en profiter depuis un petit moment, je suis un petit peu désolé, mais on va faire ça bientôt normalement. On ne va pas perdre beaucoup plus de temps et je vais arrêter de parler, en tout cas, je vais arrêter de vous embêter avec tout ça. Et je vais inviter Gilles à me rejoindre. Salut Gilles! Bonjour à tous. Salut Kevin. J'espère que tu vas bien. Écoute, je vais te passer la main et je te souhaite un excellent talk. Je vous souhaite à tous un excellent talk. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh Bye bien, bonjour à tous. Merci à WebMardi de m'accueillir ce soir et puis à vous tous d'être présents pour écouter ce talk sur Eleventy. Donc, avant de commencer la présentation, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Gilles, je suis web développeur, je travaille à l'Université de Genève au sein du département de communication. Je suis à 90%, j'ai gardé un 10% pour faire du freelance et travailler sur mes side projects. Sur le web, vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme PixEnjoy, donc j'ai un blog pixenjoy.com et puis j'ai un compte Twitter, @PixEnjoy. Je publie également ma veille technologique sur un site que j'ai développé qui s'appelle thewell.cc. Si vous préférez un compte Twitter ou un compte Mastodon, vous pouvez aussi regarder la veille que je fais sur ces deux comptes. Avant de commencer mon talk, donc je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pendant toute la durée de la présentation et puis ces questions me seront posées à la fin du talk. Alors, on peut se poser la question pourquoi on s'intéresse en 2021 à nouveau aux sites statiques? La raison est simple, c'est que les sites statiques ont un certain nombre d'avantages. Ça vous permet de faire des sites performants, à condition bien sûr que vous continuez à pratiquer les bonnes pratiques, optimisation des images, minification des fichiers, purge des frameworks CSS, etc. Ce sont aussi des sites qui ont peu d'angles d'attaque au niveau de la sécurité, puisque vous n'avez finalement sur un serveur que des fichiers statiques HTML, donc pas de base de données, pas de script que ces serveurs, donc pas d'injection SQL, pas de backdoor qui peuvent polluer votre site. Ce sont des sites aussi qui consomment peu d'énergie, peu de ressources serveurs, donc sur le plan écologique, c'est plutôt intéressant. Et enfin, ce sont des sites qui coûtent peu cher en hébergement et en maintenance. Vous pouvez utiliser un simple hébergement mutualisé ou votre VPS ou des hébergeurs spécialisés dont je parlerai un peu plus tard dans la présentation. Et puis en termes de maintenance, une fois que vos fichiers HTML sont sur les serveurs, vous n'avez pas grand-chose à faire finalement. Donc c'est plutôt peu coûteux. Ça tient bien la charge quand vous avez pas mal de visites sur votre site. Donc ça n'a que des avantages. Alors dans les années 90, quand le web s'est créé, on avait des sites statiques, des simples fichiers HTML. L'inconvénient à l'époque, c'est qu'on faisait tous ces fichiers à la main. Donc, si vous aviez par exemple 40 pages HTML avec un header et un footer, il fallait dupliquer le code dans tous les fichiers. Aujourd'hui, on a des outils qui s'appellent des SSG, Static Site Generator, dont Eleventy fait partie, qui vous permet d'automatiser la création, le build de ces sites statiques à partir de données et d'un langage de templating que nous verrons un peu plus loin. Un petit mot sur l'auteur d'Eleventy, donc qui s'appelle Zach Litterman.
Il a créé l'Eventy sous licence open source. Vous pouvez retrouver donc le code sur son GitHub. Je vous ai mis le lien en bas du slide. Aujourd'hui, Zach travaille pour une société qui s'appelle Netlify, qui est l'un des principaux hébergeurs qui offre du service autour de l'hébergement des sites statiques. Alors, quelles sont les caractéristiques que les développeurs et développeuses aiment chez Eleventy? Alors, d'une part, on est dans l'écosystème JavaScript. Donc, on bénéficie de tout l'écosystème Node.js et des packages NPM. Donc, on a une quantité assez importante d'outils à notre disposition. C'est un outil qui est également réputé pour être très flexible, aussi bien au niveau des langages de templating que du système de fichiers et des data qu'on peut récupérer au sein d'Eleventy. Et enfin, Eleventy se définit lui-même comme n'étant pas un framework, mais comme étant simplement un outil qui vous permet de générer du pur HTML. Donc, à la fin, dans votre site statique généré par Eleventy, vous n'avez pas de bundle JavaScript. Vous n'aurez du JavaScript que si vous avez incorporé dans vos templates du JavaScript avec une librairie comme par exemple Alpine.js ou autre. Donc maintenant, je vais vous présenter un certain nombre de concepts qu'il est important de comprendre quand on veut utiliser Eleventy. On verra le front matter, les templates et les layouts étant eux-mêmes un certain type de template. On verra les collections, on parlera ensuite de tout ce qui est architecture de fichiers. On fera un petit mot sur la notion de data cascade, on parlera des plugins, des filtres, on verra comment on fetch les data dans l'Eventy et puis on terminera par un petit exemple d'installation d'Eventy et je dirai quelques mots sur le déploiement et on fera une conclusion sur les avantages et les inconvénients d'Eventy. Alors, le front matter. Le front matter, ce sont des métadatas qui sont situés en en-tête de vos templates. Il s'agit en fait d'instructions qui sont sous forme de clés-valeurs et qui sont localisées dans une zone bien spécifique en en-tête de vos templates et qui permet de donner des instructions à Eleventy au moment du build. Ça permet aussi de transmettre à Eleventy des données qui vont ensuite être réutilisables au sein de vos templates. Je vais définir ce que sont les templates un peu plus tard. En général, ce front matter est écrit en YAML, en JavaScript ou en JSON. Donc, je vais vous montrer un exemple ultra simple. Ici, on a un template nunchuck. Vous voyez qu'en en-tête, on a une zone qui est délimitée avec trois petits traits ouvrants et trois petits traits fermants. Donc, ça, c'est votre front matter. Et à l'intérieur, j'ai une... Alors, ça, c'est du YAML. On a une clé, title, à laquelle je passe une valeur qui est myPageTitle. Et maintenant, au sein du template, vous pouvez récupérer la valeur que vous avez passée ici à title au sein d'une syntaxe double accolade qui est spécifique au langage de templating nunchuck. Alors, tous mes exemples dans la présentation au niveau des templates, ce sera le langage de templating nunchuck. Dans l'Eventy, vous pouvez en utiliser d'autres. Dans la documentation d'Eventy, c'est aussi nunchuck qui est utilisé. Alors, la notion maintenant de template. Les templates, ça recouvre pas mal de choses. En gros, c'est du contenu qui se présente sous différentes formes. Ça permet de formater du contenu via un système de tags qui peut être du HTML, du Markdown ou un langage de templating un peu plus évolué. Faut savoir qu'Eleventy vous permet d'utiliser 11 langages de templating différents, d'où son nom Eleventy d'ailleurs. À savoir aussi que vous pouvez utiliser plusieurs langages de templating au sein du même projet. Donc, on va citer par exemple Handlebar, Moustache, Liquid, Nunchuck et bien d'autres. Alors, je vais moi vous montrer quelques exemples d'instructions Nunchuck qu'on peut utiliser au sein d'un templating. En gros, Nunchuck va donner des super pouvoirs à votre HTML. Alors, par exemple, on peut utiliser l'instruction set. L'instruction set vous permet de réaffecter une valeur à une variable que vous avez déclarée, par exemple, dans votre front matter. Vous avez aussi des choses assez classiques, comme le if conditionnel. Le if vous permet de tester une condition. Dans la condition, vous pouvez utiliser des booléens comme and et or. Et puis, si la condition n'est pas remplie, vous avez l'équivalent d'un else if PHP, qui est ici elif,
Et si aucune des conditions n'est remplie, vous pouvez utiliser un else. Donc ça, c'est du classique des langages que vous utilisez comme PHP, Java ou etc. Vous avez aussi bien sûr à disposition des boucles for, par exemple pour itérer des collections. Une particularité de la boucle for de Nunjack, c'est qu'elle dispose d'une instruction else, et cette instruction else est exécutée lorsque votre collection en fait est vide. Si il se trouve que votre collection est vide, vous pouvez pas boucler dessus, et vous pouvez utiliser l'instruction else pour, par exemple, mettre un message quelconque, ce que vous voulez. Dans Nunjack, on a aussi la notion d'include, donc c'est la même chose que les include PHP. Ça vous permet d'externaliser une partie du code dans des fichiers externes que vous pouvez ensuite inclure dans d'autres templates. Ces includes vous permettent d'éviter les redondances qu'on avait par exemple dans les sites HTML du début des années 90. Donc c'est très pratique. Vous avez aussi quelque chose de sympa, c'est extend, les extends et les blocs. Alors ces deux notions sont souvent utilisées ensemble. Alors sur la gauche, je vous ai fait un template X dans lequel je définis une structure de page à l'aide de code HTML et à l'aide de balises Nunjack. Et vous voyez que au milieu, là, je définis un bloc. Je lui donne un nom qui est main. Et à l'intérieur, je mets une phrase qui indique qu'il va falloir le définir si après. Alors, par exemple, si maintenant j'ai un template qui s'appelle index.njk, dans ce template, je peux étendre le template X pour lui dire index va être formaté de la même manière que template X, mais il va falloir que je définisse qu'est-ce que je mets dans bloc. Et c'est ce que je fais ici, j'appelle mon bloc main, et à l'intérieur de mon bloc main, je définis le contenu que je veux le mettre et de quelle façon je veux le formater. Si vous avez déjà utilisé les slots dans les frameworks JS qui sont à la mode, comme Vue.js par exemple, c'est exactement le même principe. Un autre truc sympa dans Nunjack, c'est les macros. Alors les macros, c'est un peu comme des fonctions. Dans un premier temps, on va définir une macro à laquelle on va donner un nom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui passer des paramètres. Alors ici à gauche, j'ai un template Y. À l'intérieur de ce template, je définis une macro, je lui donne le nom label et je décide de lui passer un paramètre qui est texte que je vais pouvoir ensuite réutiliser dans le corps de cette macro. Donc le corps de cette macro formate un contenu et ce contenu affiche la valeur du paramètre qui est passé dans ma macro. Alors ensuite, dans un second template, je vais pouvoir faire un import de mon template Y. Et du coup, je vais pouvoir utiliser cette macro label. Alors là, j'ai utilisé un alias pour lui donner un nom plus sympa et plus explicite. Donc au sein de form, maintenant, j'ai accès à ma macro label et dans lequel je peux lui passer une valeur. Et tout ça est entre double accolade. Ça veut dire que en fait, j'affiche le contenu de cette macro. Donc ça va donner quoi? Ça va donner mon super label qui est affiché au sein de cette structure HTML. La notion de layout. Alors, les layouts, c'est un template, mais c'est un template un peu particulier. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec extend et block. Mais c'est natif à Eleventy. Donc, en fait, si vous voulez utiliser du contenu comme la notion de slot dans les frameworks JavaScript, vous pouvez au choix utiliser soit, si vous utilisez Nunjack, block extend, soit vous pouvez utiliser layout d'Eleventy. Alors, je vous montre un exemple. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Voici un exemple de déclaration d'un layout Eleventy. Je suis dans un template Nunjack. Je définis une structure HTML dans lequel j'affiche un titre avec une variable titre qui sera, par exemple, définie dans le font matter et un contenu. Le pipe avec le mot-clé ici safe, en fait, ça, c'est un filtre. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est la définition de mon layout. Ensuite, j'ai un autre template qui est un fichier Markdown dans lequel j'ai un front matter. Dans ce front matter, je lui indique que je veux utiliser pour ce contenu le layout que j'ai défini ici précédemment. Ensuite, je passe dans le front matter la valeur du titre et puis j'ai mon contenu Markdown. Donc ici, j'ai un dièse lorem ipsum. Ça signifie que j'ai un titre de niveau 1.
Et quand Eleventy va builder mon site, ben, il va prendre ce contenu, il va utiliser comme référence MyLayoutNJK et on va obtenir ce résultat. Donc, on retrouve la structure de mon layout ici, sauf que title et content a été remplacé par le contenu de mon fichier Markdown. Donc, on voit bien ici MyPageTitle et ici lorem ipsum qui est encadré de balise H1. Eleventy a détecté que le DS correspond à un titre de niveau 1. La notion de collection maintenant. Alors, les collections, ça permet de catégoriser votre contenu. Pensez à tableau. Collection, c'est un peu comme un tableau. Ça vous permet de donc regrouper un certain type de contenu dans une collection. Pour faire cela, ben, il suffit d'utiliser un mot-clé tags au niveau de votre front matter et de lui donner un nom. Une fois que vous aurez créé une collection, vous pourrez itérer dessus à l'aide d'une boucle for nunchuck, par exemple, et puis afficher l'ensemble des datas contenues dans cette collection. À savoir que vous pouvez attacher à un contenu à plusieurs collections. Alors, je vais vous montrer un exemple de code. Ici, on a... Alors, imaginons que vous ayez un blog et que vous ayez dans ce blog des posts. Vous souhaitez regrouper tous vos posts dans une collection qui va s'appeler ici post. Donc, j'utilise dans mon front matter le mot-clé tags, ici. Et je lui dis, tu me mets cet article dans la collection qui se nomme post. Vous faites ça avec tous vos articles et à la fin, vous allez obtenir une collection qui va contenir tous vos articles. Pour ensuite appeler cette collection et l'utiliser et itérer dessus dans un template nunchuck, au niveau de votre front matter, vous utilisez cette syntaxe, vous le dites, vous lui passez comme données la collection qui s'appelle post. Ici, on veut récupérer seulement 10 items de cette collection dans le sens inverse et je lui donne un alias pour l'utiliser ici dans ma boucle. Je peux maintenant boucler sur post qui correspond en fait à ma collection post et au sein de mon template, je peux afficher en allant chercher les propriétés de cette collection, je peux aller rechercher le titre, l'URL, la date de mes articles et les afficher dans mon template. Maintenant, je vais vous parler du système de fichiers dans Eleventy. Comment fonctionne le système de fichiers quand vous installez Eleventy dans un projet? Par défaut, Eleventy va regarder dans votre fichier racine. Au moment où vous allez lancer votre build, Eleventy va prendre tout ce qu'il y a à la racine, va l'utiliser pour générer votre site statique qui va aller stocker dans un dossier qui s'appelle underscore site. S'il y a des fichiers, par exemple un fichier README que vous ne voulez pas que Eleventy utilise pour le build, vous pouvez utiliser un fichier .eleventyignore qui fonctionne exactement comme le fichier gitignore quand vous utilisez un repo git. Il suffit de déclarer au sein de ce fichier les fichiers que vous ne voulez pas qu'ils soient pris en compte par Eleventy lors du build. En ce qui concerne les assets, Eleventy les copie tels quels dans le dossier underscore site. Mais pour cela, il faut que vous lui indiquiez où se trouvent vos assets. Alors, pour faire cela, on utilise une méthode qui s'appelle add pass-through copy. On utilise également le fichier de configuration d'Eleventy qui porte pour nom .eleventy.js et qui se situe à la racine de votre projet. Vous ouvrez ce fichier et vous voyez ici que j'utilise la méthode addPassThroughCopy et je lui dis tu prends à la racine de mon projet toutes mes images qui se trouvent dans Asset et au moment du build, Eleventy va les placer dans le répertoire underscore site en maintenant l'arborescence que j'ai utilisée, moi, à l'origine. Donc, quand vous buildez, il faut penser dans votre fichier de configuration à dire à Eleventy où se trouvent vos assets. Si jamais le système de fichiers par défaut ne vous convient pas, vous pouvez définir votre propre système de fichiers. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, adapter Eleventy à un projet existant. Ou simplement, en tant que développeur ou développeuse, vous avez envie de ranger les choses d'une certaine manière. Et ça, vous pouvez le faire également dans le fichier de configuration .eleventy.js. Donc ici, je retourne en fait un objet JavaScript dans lequel il y a une propriété dir pour directory, au sein duquel je définis à quel endroit je veux que Eleventy regarde pour builder, pour récupérer les fichiers qu'il va utiliser pour le build. Donc moi,
j'ai décidé de l'appeler, d'utiliser un dossier input que vous retrouvez ici à droite. Donc, quand Eleventy va builder, il va non plus regarder à la racine, mais il va regarder dans input. Et il va utiliser ce qu'il y a dans input pour générer votre site statique. Vous pouvez aussi définir où se trouvent vos layouts, où se trouvent vos includes et où se trouvent les data. Et vous pouvez comme ça complètement personnaliser la façon dont Eleventy va chercher les infos et va chercher les fichiers pour créer son build. Maintenant, je vais vous parler de la notion de data cascade. Je ne vais pas trop aller dans le détail. C'est encore une notion pour moi un peu floue. Et dans la documentation, j'ai eu du mal à comprendre. Alors, heureusement, j'ai trouvé un article dont j'ai mis le lien ici en bas de la slide qui vous explique un peu plus en détail ce qu'est la data cascade. Donc, si vous voulez aller un peu plus en profondeur sur la data cascade, je vous invite à lire cet article. Donc, grossièrement, la data cascade, ben, ça définit le fait que vos données, en fonction de la façon de l'endroit où elles sont déclarées, sont lues par Eleventy dans un certain ordre avec une certaine priorité. On pourrait faire le parallèle avec les CSS et les propriétés CSS. Les propriétés CSS, en fonction de la façon dont elles sont déclarées, dans un ID, dans une classe, inline, bah, peuvent s'écraser les uns les autres. Donc, il y a une notion de priorité dans les CSS. Bon, bah, là, la data cascade, c'est un peu la même notion, mais avec les données. En fonction de la façon dont vous fournissez vos données à Eleventy, si cette donnée est redondante dans votre projet, Eleventy va regarder quelle est sa priorité et quelle est son origine pour définir lequel aura le dernier mot. Je ne vais pas aller plus loin pour la data cascade, je vous invite à lire donc l'article que j'ai mis en lien dans la slide. Il faut savoir qu'Eleventy, on peut lui étendre ses fonctionnalités à l'aide de plugins. On peut également utiliser des filtres qui permettent d'appliquer des actions sur votre contenu, de transformer vos contenus. Donc, je vais commencer par les plugins. Donc, par exemple, un plugin peut vous permettre au moment du build de générer un flux RSS ou d'optimiser des images ou de créer de la syntaxe highlighting. Il y a plusieurs plugins qui existent. Je vous invite à aller dans la documentation d'Eleventy pour en trouver. Vous en trouvez également sur GitHub. Pour utiliser un plugin, il y a deux étapes. La première, il faut installer un package NPM, donc le package NPM du plugin en question. Et dans une seconde étape, il faut déclarer dans le fichier .eleventy.js, le fichier de configuration d'Eleventy, que vous allez utiliser ce plugin au moment du build. Alors, voici dans un terminal ce que ça donne. Première étape, ben, vous faites un change directory dans le dossier de votre projet. Une fois que vous êtes dans le projet, vous faites un npm install eleventy/eleventy-plugin-rss si vous voulez installer le package du plugin Eleventy qui génère des flux RSS. Une fois que le package est installé, vous allez dans votre fichier de configuration eleventy.js, vous faites un require de ce plugin et à l'aide de la méthode addPlugin, vous appelez le plugin que vous avez mis dans une constante et ça indique à Eleventy qu'il va falloir qu'il utilise ce plugin au moment du build pour vous générer votre flux RSS. En ce qui concerne les filtres, comme je le disais précédemment, ça va vous permettre de modifier vos contenus. Alors, en général, les langages de templating possèdent déjà des filtres par défaut. Donc, vous pouvez, si vous utilisez Nunchuck, regarder dans la documentation de Nunchuck quels sont les filtres disponibles. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez aussi créer votre propre filtre. Alors ça se fait une fois de plus dans le fichier eleventy.js. Je vais vous montrer un exemple de syntaxe tout à l'heure. Et au niveau des templates, un filtre s'utilise de la manière suivante. Donc, la double accolade pour afficher un contenu que vous indiquez ici, un pipe, et ensuite le nom du filtre qui doit s'appliquer à ce contenu. Et myContent sera formaté de la façon dont vous l'aurez défini dans le filtre ou par le filtre par défaut de Nunchuck que vous aurez utilisé. Alors voici un exemple de la déclaration d'un filtre custom. Donc on se trouve une fois de plus dans le fichier .eleventy.js, le fichier de configuration d'Eleventy. Et vous voyez que j'utilise ici une méthode qui s'appelle addNunchuckFilter parce que ça va être un filtre qui va être utilisé au sein d'un template Nunchuck. Je fais ma petite tambouille, donc je lui donne un nom ici. Ça c'est le titre de mon filtre.
Ensuite, je passe un deuxième paramètre, une fonction, qui va faire une petite moulinette sur mon contenu et qui va retourner le résultat. Donc ensuite, dans votre template, ici j'ai un template, j'utilise Alpine.js, donc dans la directive Xdata, j'avais besoin de formater un contenu d'une certaine manière avec des backticks et des virgules. Donc je lui applique le filtre que j'ai défini dans le fichier .elevenity.js. Donc vous pouvez imaginer n'importe quel type de filtre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez puisque finalement c'est du JavaScript. Donc il suffit juste de récupérer un contenu, de le transformer et de retourner le contenu formaté. Au niveau des data, comment Elevenity récupère ces data? Alors il faut savoir qu'Elevenity est assez souple, il peut être alimenté par du contenu qui est représenté par des fichiers en local au sein de votre projet, ça peut être des fichiers Markdown, HTML ou des templates. Vous pouvez aussi transmettre du contenu à travers des données locales au sein de vos templates, par exemple, on l'a vu à travers le FrontMatter, et vous pouvez aussi aller chercher des données qui sont à l'extérieur, par exemple dans une API externe, une API Google, ou une API fournie par un CMS. Je vais vous montrer un exemple de code pour aller chercher des données qui sont dans une API externe. Donc là, c'est un extrait du code de mon blog. Mon blog, j'utilise Elevenity pour générer un site statique et ce Elevenity va chercher ces données dans un framework qui est Kirby ici en l'occurrence, qui est utilisé en mode headless. Donc le mode headless, je vais en parler un petit peu après. En gros, c'est que vous utilisez un CMS pour tout ce qui est gestion des data, gestion des utilisateurs, mais vous récupérez les données via son API. Vous ne récupérez plus les données que vous mettez dans un template. Vous utilisez l'API pour récupérer ces données et les récupérer en général sous forme de JSON et les donner ensuite à manger à Elevenity. Donc là, j'ai un exemple de code. Je me situe dans mon fichier input, dans mon dossier underscore data, et là, j'ai créé un fichier JavaScript. Donc là, on est dans du pur JavaScript. Et dans ce fichier about.js, j'utilise l'API fetch à cet endroit-là. Vous auriez pu utiliser Axios ou autre. C'est à votre convenance. Je lui passe un certain nombre de paramètres, un header, et puis ensuite, alors ici, j'utilise une syntaxe particulière pour requêter. Comme j'utilise Kirby, j'utilise aussi un plugin qui s'appelle KQL, qui est l'équivalent d'un GraphQL où on peut définir une query et sur cette query, définir exactement les éléments qu'on veut récupérer. Le résultat est mis dans du JSON et je renvoie ce JSON que je pourrais ensuite utiliser dans un template Nunchuck. Donc ici, voici un template Nunchuck que j'ai appelé about.njk. Vous voyez que ici, au niveau du front matter, j'utilise le mot-clé data. Et en indiquant about, Elevenity sait qu'il va falloir aller chercher, exécuter le fichier about.js qui se trouve dans underscore data. Et à l'aide de cette clé valeur, je vais pouvoir réutiliser about, mon objet about, qui est en fait un JSON dans lequel je vais pouvoir taper et afficher mes données dans mon template. Alors, un petit mot sur l'installation et le déploiement. Il faut savoir que déjà, pour installer Elevenity, il va falloir installer sur votre serveur ou sur votre PC en local Node.js, version 10 minimum, et le gestionnaire de paquets NPM. Ensuite, c'est très simple. Vous créez un dossier, mkdir votre dossier, vous placez à l'intérieur de ce dossier, cd mon dossier, vous tapez la commande npm init -y pour initialiser votre projet et générer un fichier package JSON qui va référencer toutes vos dépendances, et ensuite vous faites un npm install d'Elevenity pour installer le package Elevenity. Une fois que le package est installé, vous pouvez l'exécuter avec la commande npx. Vous pouvez utiliser une option watch aussi pour dire à Elevenity de builder à chaque fois qu'il détecte une modification dans vos fichiers. Et une fois que vous lancez donc Elevenity, Elevenity va chercher vos données, regarde les templates et à partir de ça, en déduit la façon dont il doit builder votre site statique.
Au niveau des hébergeurs de sites statiques, il y a un certain nombre donc de compagnies qui se sont mises en place. Donc la première, ça a été Netlify. Aujourd'hui, on en trouve plusieurs autres qui font concurrence à Netlify. Je citerai par exemple Vercel, Cloudflare Pages. Donc ces services, ces hébergeurs, en fait, vous permettent d'utiliser, de déployer des sites statiques, mais offrent aussi tout un écosystème de services autour des sites statiques. Ils offrent généralement aussi l'accès à un CDN et puis une interface graphique pour paramétrer votre site statique avec la plateforme d'hébergement. Alors, par exemple, si j'utilise Netlify, la première chose à faire, ça va être de versionner mon projet sur un repo Git. Ça peut être GitHub, GitLab ou Bitbucket, peu importe. Une fois que vous avez versionné votre projet, vous allez créer un compte sur, par exemple, Netlify et l'étape d'après, ça va être au niveau du dashboard de Netlify, de lier votre plateforme de hosting vers votre repo Git. Donc, tout est fait avec une interface graphique. Il faut donner les droits, généralement avec des clés SSH, pour que votre plateforme d'hébergement puisse converser avec votre dépôt Git. Vous allez définir dans votre dashboard Netlify quel dépôt avec lequel va falloir discuter, sur quelle branche, sur quel répertoire public. Et vous allez même pouvoir définir un hook qui va surveiller vos modifications sur votre repo et qui va déclencher automatiquement un déploiement sur Netlify. Donc, à la fin, une fois que tout ça est fait, pour déployer votre site, vous avez juste un push à faire sur votre repo Git et Netlify va détecter cette modification au niveau de votre repo Git et va s'occuper de builder votre site et de le déployer sur ses serveurs et de le déployer sur son CDN. Donc, c'est super pratique. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser des sites statiques? Dans quel cas c'est intéressant d'utiliser des sites statiques? Je dirais tous les sites de contenu jusqu'à une certaine size, je vais en reparler un petit peu après, et des sites de contenu qui ne sont pas updatés trop souvent. On va dire, si vous avez un site qui est updaté toutes les 3 minutes, à chaque fois, vous allez devoir régénérer un build et un déploiement, donc ça va être contre-productif. Alors, ce genre de site, j'ai mis que c'était 80% du web avec un point d'interrogation parce que c'est un chiffre purement intuitif que j'ai inventé, mais disons que j'ai le sentiment quand même que Internet est fait essentiellement en majorité de sites qui sont des sites de contenu qui sont assez peu fréquemment mis à jour. Ça comprend par exemple les sites corporate, les sites de documentation, les blogs, on peut aussi nommer les landing pages, les portfolios, les sites d'agents, etc. Ce qui signifie que cette technique de site statique, on pourrait l'appliquer à pas mal de sites existants, ce qui nous permettrait de bénéficier de tous les avantages des sites statiques que j'ai cités en début de présentation. Excusez-moi. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients d'Eleventy, alors je vais récapituler un petit peu. Il y a des choses aussi dont je n'ai pas parlé. Par exemple, la vitesse de build est assez performante avec Eleventy. Ce n'est pas le générateur de sites statiques le plus rapide en termes de build. En général, on dit que c'est Hugo qui est développé en Go, qui donne les meilleures performances, mais Eleventy étant développé en Node.js, on obtient des performances qui sont pas très loin derrière Hugo, donc des performances de build assez bonnes. Par défaut, on peut utiliser Eleventy out of the box, c'est-à-dire sans configuration, et si vous avez besoin, Eleventy a la flexibilité pour s'adapter à vos besoins. On bénéficie aussi de tout l'écosystème Node et JavaScript, donc on a une communauté et des fichiers NPM qui sont gigantesques, donc, que vous pouvez utiliser. Un autre avantage, c'est qu'en output, ça génère un site statique qui est du pur HTML CSS. Il n'y a pas de bundle JS qui est intégré dans votre site final statique, comme le fait par exemple d'autres sites statiques basés sur des frameworks JavaScript. Alors pour certains, c'est un avantage, pour certains, ça peut être un inconvénient. Autre avantage d'Eleventy, on a à disposition de multiples langages de templating. Donc si vous avez déjà une habitude avec un langage de templating, en général avec Eleventy, vous allez retrouver ce langage et vous n'allez pas être perdu. Et ça vous donne toute la puissance de ces langages de templating. Avec toutes ces instructions, on l'a vu tout à l'heure avec Nodejack, avec ces systèmes de blocs et de macros, c'est très pratique.
Enfin, avec Eleventy, ben, vous pouvez récupérer des données en local ou externe. Et enfin, c'est un projet open source. Donc, voici l'ensemble des avantages que j'ai référencés. Au niveau des inconvénients, alors j'ai été un peu déçu par la documentation. Elle est assez fournie, mais je la trouve un petit peu fouillie. J'ai eu du mal à me retrouver dans la documentation. Et il y a certaines notions que j'ai dû aller piocher ailleurs dans des tutoriels parce que dans la documentation, j'arrivais pas à l'appréhender. C'est un outil aussi qui est plus limité en termes d'outils, de communauté, de tutoriels si on le compare à un autre générateur de sites statiques comme Gatsby. On pourrait comparer, par exemple, faire un parallèle avec WordPress et Drupal. Bon, bah, Drupal, on trouve beaucoup moins de choses que WordPress parce que WordPress est beaucoup plus utilisé. Bon, bah, là, Eleventy, c'est pas un peu pareil. Il y a une communauté, il y a des outils et des tutoriels, mais vous aurez beaucoup moins de choses que, par exemple, ce que vous trouvez au sein de la communauté Gatsby. Ce n'est pas utilisable sur des très gros sites. Alors, quand je parle de très gros sites, c'est plusieurs dizaines de milliers de pages. Pourquoi? Bah, parce que vous allez avoir un build qui va durer très longtemps, plusieurs dizaines de minutes. Ça peut aller à une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure. Et puis, au niveau du déploiement, vous allez vous retrouver avec un site statique qui va faire plusieurs gigas. Donc, un build qui dure très longtemps et un déploiement d'un fichier qui fait plusieurs gigas, c'est pas du tout optimum. Si vous voulez faire du site statique avec un site qui a plusieurs dizaines de milliers de pages, je vous conseille plutôt d'utiliser un outil comme Next, qui est un meta-framework basé sur le framework React, qui fait du build incrémental. Donc, très rapidement, comment ça marche? Ben, à chaque fois qu'un utilisateur demande une page pour la première fois, l'outil va builder uniquement cette page. Et puis ensuite, cette page, une fois qu'elle sera buildée, ben, elle sera conservée au niveau du serveur et elle sera distribuée quand les autres utilisateurs viendront la réclamer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette technologie, ce n'est pas le sujet de la présentation de ce soir. Et enfin, ben, si vous utilisez du contenu interne, généralement, il va falloir utiliser un langage de templating qui est soit de l'HTML, soit du Markdown. Et ça, ce n'est pas forcément très user-friendly pour les utilisateurs qui ne sont pas tech. Ils ne sont pas toujours très contents d'avoir à apprendre un langage de templating, même si le Markdown, finalement, n'est pas très compliqué. Donc, si vous travaillez avec des utilisateurs qui sont non-tech, et on a d'autres solutions qu'on va voir sur le slide d'après, on peut utiliser par exemple des CMS dans leur forme headless. Donc, pour pouvoir utiliser un CMS en mode headless, il faut que ce CMS vous fournisse une API qui vous permet de fetcher les données via cette API. Donc, c'est quoi un CMS headless? C'est un CMS à qui on a coupé la tête, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas utiliser tout ce qui est la partie templating. Donc, typiquement dans WordPress, je ne vais pas utiliser tout ce qui est thème. Je vais seulement utiliser WordPress pour requêter mes données dans une base de données, pour les récupérer et pour les réinjecter à travers une API. Je vais utiliser son système d'authentification, je vais utiliser son back-office et ensuite, je vais utiliser l'API pour récupérer les données. Et ces données, je vais les récupérer soit via un générateur de site statique ou un framework JS. Et de cette façon, ben, je vais avoir l'avantage du CMS, c'est-à-dire une interface graphique que mes utilisateurs vont utiliser pour gérer leur contenu. Et moi, je vais pouvoir générer à partir de ça un site statique et bénéficier de tous ces avantages. Si vous avez besoin de mixer du statique et du dynamique, ben là, vous allez être obligé de sortir des générateurs de sites statiques purs comme Eleventy. Il va falloir plutôt s'orienter vers des meta-frameworks qui sont basés sur des frameworks JS tels que Svelte, Vue.js ou React. Donc, le meta-framework basé sur React, c'est Next. Celui basé sur Vue, c'est Nuxt. Et celui basé sur Svelte, c'est SvelteKit. Et puis, il y a un petit dernier qui s'appelle Astro, qui là vous permet d'utiliser le framework JS que vous voulez et qui vous sort en sortie un site statique. Et ça vous permet aussi d'utiliser l'architecture en composant. C'est pas le sujet ici de la conférence, mais sachez que si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur Internet des informations sur Astro. Enfin, vous pouvez aussi utiliser certaines fonctionnalités des hébergeurs spécialisés, qui vous fournissent ce qu'on appelle des serverless fonctions. Donc, en gros, c'est des fonctions que vous pouvez utiliser, des fonctions dynamiques que vous pouvez utiliser, qui va être exécutées
chez l'hébergeur. Alors, pour atteindre cette fonction, ben, vous avez des endpoints qui appellent la fonction, qui s'exécute sur le serveur et qui vous renvoie un contenu que vous pouvez ensuite utiliser dans votre site statique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup, Gilles. On va maintenant passer aux différentes questions qui ont été posées durant ton talk. Du coup, je vais te démarrer tout de suite. Peut-être première question, est-ce qu'il y a des différences notoires entre Gatsby et Eleventy ? Tu as un petit peu répondu, hein, surtout vers la fin. Alors, je n'ai pas vraiment eu le temps d'enlever la question, mais... Alors, Eleventy, c'est du pur JS, Node.js. Gatsby, c'est basé sur le framework React. Et donc, Gatsby, en sortie, va vous fournir un site statique, mais va y avoir aussi incorporé un bundle JS qui va contenir React et puis un certain nombre d'autres choses. L'avantage de Gatsby, ben, c'est son écosystème, c'est sa communauté, et c'est aussi que ça fait un certain nombre de choses en plus que Eleventy ne fait pas ou que Eleventy peut faire uniquement à travers ses plugins. Donc, il y a quand même, oui, pas mal de différences entre Gatsby et Eleventy, même si la finalité, c'est de générer un site statique. Ok. Ouais. Les gens réagiront s'ils ont des questions sur ça. La prochaine question qui a été posée par Christian, qui demande, donc par rapport à Eleventy, on a vu que tu parlais de Alpine aussi, en tout cas au début. Est-ce que tu utilises du coup Alpine.js pour ajouter de la réactivité à tes sites statiques ? Alors oui, tout à fait. Alpine.js, donc c'est un petit framework JS qui s'utilise un peu comme Tailwind, c'est-à-dire qu'on a des directives qu'on met au sein de ces balises HTML, et puis ça permet de créer de l'interactivité, par exemple ouvrir une pop-up, faire du filtre, etc., etc. Donc, ça vous apporte des interactions dans vos pages, et c'est assez léger. Donc, ça vous permet d'éviter d'utiliser un React ou un Vue.js pour faire finalement des choses assez simples comme l'affichage d'une pop-up. Donc, oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser Alpine.js pour ajouter de l'interactivité à un site statique. Ok. Troisième question, c'est une question de moi. Ça, si je devais persuader un client d'utiliser Eleventy, est-ce que tu as des projets de référence, des succès ? Est-ce que Eleventy a une page de projet de référence, ce genre de choses ? Je crois que oui. Alors là, j'en ai pas en tête. Je sais pas trop répondre à cette question-là dans l'immédiat, mais ça doit se trouver. Il faudrait que je fasse une petite recherche. Effectivement, il faudra aller voir sur le site de la documentation d'Eleventy. Il y a peut-être une rubrique, je peux aller voir rapidement. Non, mais Nelson ou une personne de mardi va coller dans le chat. Oui, je pense que ça se trouve, mais désolé, j'ai pas en tête là des références à vous donner immédiatement. Il y en a sûrement. Ouais. Ok, cool. Prochaine question qui vient de Gonzalez qui demande pourquoi avoir choisi Eleventy plutôt que Forestry, qui semblerait avoir le même but. Alors, Forestry, c'est un CMS en mode SaaS, donc c'est un produit payant, auto-hébergé, enfin, hébergé par la société Forestry. Effectivement, ben, c'est un générateur de sites statiques. Pourquoi j'ai choisi Eleventy et pas Forestry ? Ben, parce que c'était mon blog personnel et que je voulais apprendre à utiliser Eleventy, mais j'aurais très bien pu utiliser Forestry, c'est un choix purement personnel en fait. Voilà, je peux pas en dire plutôt plus. Ouais, c'est plutôt perso. Ouais, c'est un choix totalement personnel pour découvrir cette techno et puis mettre les mains dans le cambouis. Okay. Alors si j'avais utilisé Forestry, ben j'aurais pas pu faire mon geek, j'aurais juste importé mon site dans Forestry et cliqué sur un bouton, ça aurait généré mon site. Mais effectivement, c'est une possibilité. C'est une option. Si vous ne voulez pas vous embêter à coder des choses et à apprendre une techno, vous pouvez utiliser des CMS en mode SaaS. C'est tout à fait viable aussi. Ok, cool, merci. Dites pas, Gonzalez, si tu as des choses à rajouter dans les commentaires, hein, réagir là-dessus. Toujours une question de Gonzalez qui demande, à ton avis, donc, quel type de projet il faut utiliser Eleventy et sur lequel il ne faudrait pas l'utiliser ? Donc, tu as aussi un petit peu répondu un peu dans ta présentation. Tu as parlé des projets, par exemple, des gros projets. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres types de projets qui te viennent à l'idée comme ça ? Je ne sais pas, e-commerce, par exemple. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est trop compliqué ?
Si vous voulez faire un site de e-commerce avec Eleventy, là, va falloir utiliser un service externe comme par exemple Snipcart, qui est un produit externe que vous allez greffer sur votre site statique. Sinon, si vous voulez faire plutôt des applications web, ben là, je vous invite plutôt à utiliser des metaframework comme Next, qui permet de coupler du statique et du dynamique. Pour une application web, je vous déconseille d'utiliser Eleventy. Si vous avez des parties dynamiques à gérer, ben soit vous passez par un service externe, soit vous changez d'outil. Ouais, quand tu dis application, tu sous-entends intranet, extranet, enfin des tools, quoi. Oui, des choses où il y a beaucoup d'interactions, où il n'y a pas que du contenu, mais beaucoup d'interactions utilisateurs. Donc on est plutôt sur des sites de contenu, blog, Alors, ou Eleventy, c'est plutôt du effectivement contenu. utile pour générer des sites qui sont basés sur du contenu et sur du contenu qui n'est pas trop fréquemment mis à jour. Bah d'ailleurs, ça me fait. Je veux pas te couper, mais ça me fait penser à une chose que je n'ai pas notée ici, mais c'est pas grave. Si tu dois, contrairement à Gatsby, où tu as en fait un petit peu React, donc mettre un formulaire et puis commencer à faire des posts sur des services, ce genre, par exemple un formulaire de contact, c'est plutôt simple à mettre en place. Avec Eleventy, comment tu fais ça? Est-ce qu'il y a des. Vu qu'il n'y a pas de JS. Ben, la seule façon de le faire, c'est d'utiliser des services externes. Par exemple, si vous voulez utiliser un formulaire de commentaires sur votre blog, vous allez utiliser un service externe comme Disk. Une discussion. Et comme ça génère du pur HTML et que, bon, avec Alpine.js, vous n'allez pas pouvoir gérer les Mais interactions il y a avec le moyen, serveur, donc. ouais, bien sûr, mais il y a moyen de mettre Vue par exemple ou de mettre une librairie qui nous permettrait en fait de faire les posts simplement. Où il n'y a pas moyen de mettre du JS pour faire de l'interaction. À mon avis, alors c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question, mais à mon avis, oui. Rien n'empêche dans les fichiers HTML de sortie De mettre du HTML. d'intégrer Vue.js via le lien CDN, par exemple, et puis ensuite de faire des manipulations. Ouais, je pense que ça. Je mets des guillemets hein, parce que je ne sais Ouais, pas, mais j'ai jamais peut-être que fait, quelqu'un dans le chat sait avoir. Voilà. Si mais quelqu'un comme ça, sait, n'hésitez pas à intuitivement, je répondre. dirais que oui. Ok, ouais, moi je pense aussi. Ouais. Prochaine question. Voilà, la question un peu conne, mais pas question conne. La question c'est est-ce qu'on peut l'installer facilement, simplement chez Infomaniac? Moi, de but en blanc, je me suis dit oui. Bon, enfin, plusieurs personnes m'ont répondu oui, dans le sens où c'est du build HTML. Mais qu'est-ce que Alors, tu en penses, toi? on parle d'hébergement mutualisé ou on parle de VPS? On Si vous, parle d'hébergement mutualisé, hein. Enfin, il y a les deux sur Infomaniac. alors si on est sur de l'hébergement mutualisé, je suis pas sûr qu'on puisse lancer un build, sauf si Infomaniac le prévoit. Par Mais contre, par on peut contre, vous avoir pouvez bien le sûr HTML. héberger le résultat, c'est-à-dire les fichiers statiques. En revanche, si vous êtes sur un VPS Infomaniac, ben là, vous pouvez sur votre VPS, comme vous êtes root sur le serveur, vous pouvez installer Node.js et Eleventy et puis builder depuis votre serveur Infomaniac. Okay. Ah, d'ailleurs, j'ai réagi pour la question d'avant. Des gens réagissent un petit peu, donc ils disent qu'on peut mettre ce qu'on veut. Et même une personne dit que Zach, donc le créateur d'Eleventy, a intégré Vue.js à Eleventy. Donc apparemment, ce serait D'accord. assez simple à faire. En tout cas, prévu. Donc plutôt rassurant. Ça va faire ce genre de choses. Prochaine question, du coup. Tu as dit donc qu'Eleventy était plutôt rapide en termes de build time. Moi, j'ai une question. C'est combien de temps il faut compter en moyenne pour un projet de blog standard? Disons que c'est un blog avec 4 ans d'archives, quoi, avec un blog post tous les mois. Donc on est sur même pas 50 pages. Moi, je dirais maximum 3 minutes, voire Ok. moins. Donc c'est assez rapide, quoi. Ouais. C'est plus rapide que du Gatsby en termes de ou Oui. d'autres outils. Alors, c'est Ok. plus rapide que du Gatsby, oui. Ouais, ça J'avais fait un vu peu moins de traîner choses, peut-être. un benchmark quelque part, faudrait que je le retrouve, mais oui, Gatsby était pas très bien placé. Ok. Ah Désolé. bah ça peut être intéressant si tu Ouais, je vais retrouves ce essayer. benchmark de le poster sur le meetup, les commentaires de meetup. Ça peut Ouais, être très d'accord. intéressant. Bon, celui qui Moi, était ça en tête, c'était m'intéresse. Hugo, hein, développé en Go. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis pas très loin derrière, il y avait Eleventy et Gatsby était un peu à la traîne derrière, ouais.
Ok, merci. Dernière question de cette interview. Et après, donc, si les gens ont d'autres questions, il faut vite les poser maintenant. Moi, j'ai une question sur Eleventy. Est-ce qu'il embarque un système de gestion des images? Donc, c'est l'éternel problème qu'on a sur les projets découplés. C'est comment gérer les images sans passer par un service tiers qui coûte un bras pour faire tout ce qui est du resize, du crop, du scale. Sur Twitter, j'ai vu passer un tweet de Zach, le créateur de l'Eventy, qui parlait effectivement d'un plugin pour gérer les images. Ça, c'est pareil, okay. Je pourrais vous le retrouver et le mettre dans les commentaires. Alors, avec si plaisir. Ça vous intéresse. Ouais. Dans le même, tu mets un petit commentaire avec le lien de tes slides et puis les deux petites questions-là. Puis moi, je vais aussi ajouter les liens des slides dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Je vais refouiller dans mes bookmarks ou dans mes notes et je vais essayer de vous retrouver ça. Ouais. Super. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et puis, du coup, moi, je vais reprendre la main maintenant pour terminer ce web mardi. Merci à tous d'être venus. Restez encore quelques instants. On a deux, trois annonces à faire. Merci, Gilles, pour tout. Merci, à bientôt. Et puis, à tout bientôt. Très bien. Alors, je vais essayer de reprendre la main sur les slides. Merci, Nicolas, pour la précision. Je laisse Gilles peut-être regarder ta réponse. Du coup, what's next pour le prochain web mardi? On a un invité de Suisse allemande, Joseph, qui travaille chez Leap et qui va nous parler de sa carrière avec Drupal. Donc, il ne va pas nous parler de Drupal en soi, il ne va pas nous parler du CMS ni de PHP, mais vraiment de sa carrière dans la communauté open source. Donc, son voyage au travers de cette communauté open source qui est assez vaste, qu'on a d'ailleurs parlé, Gilles, tout à l'heure. Donc, un petit peu, voilà, ce qui se passe quand on s'intègre dans ces outils open source et qu'on est pas mal intégré. Donc, Joseph a fait beaucoup de contributions, a mis en place des événements, organisé des événements sur par rapport à Drupal en Suisse ou même à l'international. Donc, voilà, ça peut être très intéressant. C'est vraiment suivre la carrière de quelqu'un dans l'open source. Je vous invite tous à venir. Ça sera en anglais le 3 août, toujours online pour cet événement de août. Et on vous tiendra au courant pour les prochains événements s'ils seront en physique ou en live. Sachant que les événements physiques auront toujours le live stream, hein, donc pour les personnes qui ne peuvent pas venir physiquement, il n'y a pas de problème ni de souci. L'éternel slide, on cherche toujours des développeurs pour nous aider à améliorer notre site, qui est un SSG sous Gatsby. Voilà, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, ah, c'est mauvais contact, c'est contact@webmardi évidemment et pas lip.ch, collègue qui s'est trompé. Pas très grave. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche des personnes qui peuvent nous aider à refaire, améliorer notre site. Tout un design complètement revu, très intéressant à mettre en place et plutôt challenging. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, écrivez-nous sur Twitter ou n'importe où. On répondra avec plaisir. Encore deux slides. Leap. À la recherche de talents, des talents qui font du PHP ou des talents qui font du Django en l'occurrence, Scrum Master, des copywriters. Voilà. Donc, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont intéressés à faire une carrière chez Leap, qui se trouve à Fribourg, à Zurich et à Lausanne, et puis dans d'autres cantons encore, je crois, voilà, n'hésitez pas à leur parler, de leur donner le lien leap.ch/jobs. Antistatique recherche également deux développeurs. Un développeur back-end, donc purement PHP, et un développeur full stack pour travailler soit sur Genève, soit sur Lausanne. Donc pareil, si vous pensez que vous fitez ou si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle carrière ou une nouvelle opportunité, écrivez antistatique.net/jobs et au plaisir de vous voir. N'hésitez pas également, si vous recommandez à des gens ces deux jobs-là, ces deux job opportunities, antistatique ou Leap, de leur dire que c'est au travers du web mardi, ça nous fait toujours un petit peu de pub pour nos sponsors qui voient du coup l'importance et l'intérêt de nous soutenir. Moi, j'ai terminé pour ce soir. Je vais vous libérer. Je vais vous laisser aller regarder le match. Ah non, il est dans une heure. Il y a encore un moment pour ceux qui regardent le match. Et puis sinon, je vais vous laisser tranquillement continuer. Je vous revois, j'espère, en août. Et je vous dis juste une chose encore. Inscrivez-vous à notre channel WebMardi sur YouTube. Ça nous soutient et ça nous permet de débloquer des nouvelles features sur YouTube. Merci à tous, toute belle soirée à tous et à tout bientôt. Bye bye.